comment bien ou mieux gagner sa vie sans diplôme, eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, parce que peut-être que vous, si vous êtes là aujourd'hui que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes dans la situation où justement vous n'avez pas de diplôme et que vous vous demandez, eh bien comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte de mieux gagner ma vie? Et pas que sur le plan financier, parce que c'est bien sur le plan financier de mieux gagner sa vie, de bien gagner sa vie, mais c'est aussi bien de bien gagner sa vie dans tous les autres aspects de votre vie, ok? Donc, eh bien, comment on peut faire? Eh bien, il y a plusieurs solutions pour ça. Alors, moi, je dirais que, déjà, pour vous donner un petit exemple, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que quand on est, eh bien, on y dit donc, tu vas aller à l'école et puis ce que tu vas faire ensuite, c'est tu vas passer un diplôme et ensuite tu auras un bon job. Et qui dit un bon job dit une bonne rémunération. Et si tu fais pas ça, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas pas avoir ton diplôme, donc tu vas avoir un mauvais job et donc tu vas avoir un mauvais salaire. Et déjà, rien que le fait que le système vous ait fait croire ça, eh bien va produire chez vous que c'est ce que vous allez exactement obtenir dans votre vie. Et si je vous le dis, c'est en toute connaissance de cause puisque je l'ai vécu moi-même. Si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez au travers de cette vidéo, eh bien qui je suis, moi c'est Anthony Reiss. Et il faut savoir qu'avant de vous faire cette vidéo, eh bien qui j'étais? J'étais un agent de sécurité. Donc j'ai pas de diplôme, j'ai terminé en tant qu'agent de sécurité et tout simplement je m'étais un petit peu résigné à ce que le système me disait, bah ouais c'est vrai, écoute, finalement t'as pas de diplôme, bah qu'est-ce que tu veux, de toute façon tu peux pas bien gagner ta vie, tu vas voir que les petits boulots qui payent mal, je gagnais quoi, le SMIC, c'était absolument pas suffisant pour vivre tranquillement, pour vivre l'esprit tranquille. Et donc, eh bien, qu'est-ce que je faisais? J'obtenais exactement ce à quoi je pensais et ce qu'on m'avait mis en tête, ce que le système m'avait mis en tête. Et vous, je suis sûr que pour beaucoup, en tout cas, c'est exactement ce qui se passe. Sans ça, déjà, donc, c'est une erreur. Moi, je peux clairement vous prouver le contraire. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir ce que je vais vous dire, eh bien, va pouvoir clairement changer votre vie. Ok? Vous savez, donc pour on va dire vous donner quelques, je vais vous donner en fait quelques exemples à court terme et un exemple à long terme. Voilà, je vais vous donner deux solutions à court terme, à long terme, qui fait que vous allez pouvoir effectivement par exemple dès ce mois-ci eh bien commencer à, du moins à mieux gagner votre vie même si vous n'avez pas de diplôme. Donc comment est-ce qu'on peut faire par exemple? Eh bien déjà premièrement, la solution la plus simple, je dirais, ça va être de faire des économies. Alors c'est peut-être pas ce à quoi vous attendiez, mais je vous dis restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir au fur et à mesure ce que je vais vous dire. Pour commencer, la première solution, donc je vous dis, c'est par exemple faire des économies, donc voir un petit peu dans quoi vous avez l'habitude de dépenser, dans quoi est-ce que vous vous dépensez un petit peu inutilement. On a tous des fois des dépenses inutiles et notamment encore plus quand on est ancré dans ce système-là où on n'a pas forcément un bon salaire et donc forcément tout ce qui va un petit peu autour de notre vie, qui gravite autour, n'est pas forcément bien. Et on a un petit peu tendance du coup à se défouler en achetant des choses qui ne sont pas toujours utiles. Donc, par exemple, prenez un stylo, une feuille et puis vous notez un petit peu si vous avez des choses récurrentes qui reviennent chaque mois que vous achetez et que vous dites « Ouais, en fait, ça, je pourrais le mettre de côté et ça pourrait commencer à me permettre de bien gagner ma vie, mieux gagner ma vie malgré que je n'ai pas de diplôme. » Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, ça va être de vendre des choses. Je suis sûr que chez vous, vous avez des tas d'objets qui dorment, qui sont là en train de dormir depuis des mois ou des années même sur des étagères et que vous pourriez peut-être vendre ou bien peut-être les vendre et du coup, eh bien, ça vous permettrait là aussi de bien gagner votre vie, du moins de mieux gagner votre vie. Le problème de tout ça, c'est quoi? C'est que, encore une fois, ce sont des petites solutions palliatives. Est-ce que vous voyez faire ça toute votre vie? Donc, c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions, mais en tout cas, ça vous permettra, dès ce mois-ci, par exemple, de commencer à mieux gagner votre vie. Ensuite, la deuxième chose eh bien, que vous pourriez faire, je dirais, ça va être de faire comme moi j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, eh bien, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ce n'était plus possible. J'étais tout le temps dans le rouge. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, quand j'étais agent de sécurité, eh bien, j'ai trouvé un deuxième job.
tout simplement. Eh bien, vous, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez trouver un deuxième job. Donc, bah, évidemment, en contrepartie, ce qui va se passer, c'est que vous allez, encore une fois, échanger votre temps contre de l'argent. Donc, ça veut dire, vous avez déjà un job, par exemple, vous allez faire 35 heures par semaine. Si vous avez, vous gagnez pas assez, que vous avez besoin de trouver un autre job, il va falloir ajouter des heures en plus. Toutes ces heures en plus, c'est des heures que vous n'allez pas pouvoir passer à faire autre chose, des choses peut-être que vous aimez faire dans votre vie. Donc, ça va être le compromis. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est une des solutions qui sont possibles. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, ben forcément, j'ai mieux gagné ma vie à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé aussi dans un même temps, eh bien, c'est que au bout d'un moment, j'étais littéralement en train de péter les plombs. C'était pas possible de continuer comme ça. C'était pas possible de bosser quasiment 7 jours sur 7. Il y a des fois même des semaines où je faisais 7 jours sur 7. Et encore, ça ne me permettait pas de vivre confortablement puisqu'effectivement, je gagnais peut-être mieux, mais ma vie autour était un désastre parce que je n'étais plus que au boulot. Surtout que je faisais beaucoup de boulot. Enfin, en tant qu'agent de sécurité, je travaillais beaucoup toute la journée, en fait, des fois 7h, 19h, donc du coup, je faisais ça toute la semaine, mon job principal, plus le deuxième, vous imaginez un petit peu, c'est pas possible. Après, il y a une autre solution aussi, pour encore mieux gagner, donc toujours dans cette optique-là, de trouver un deuxième job en attendant de pouvoir faire mieux, eh bien, ça va être de trouver un job nocturne, parce qu'effectivement, souvent, job de nuit, vous allez avoir des primes qui vont vous permettre de gagner un peu plus. Mais là aussi, je vous pose encore une question, est-ce que selon vous, eh bien, vous voyez toute votre vie faire comme ça? Est-ce que vous imaginez un petit peu toute votre vie continuer dans ce même train-là? Parce que vous êtes encore dans ce système-là, dans ce système-là que le système vous a mis, où moi j'étais avant et où vous pensez que de toute façon, la vie c'est comme ça, vous n'avez pas eu de diplôme, vous ne pourrez pas faire autrement et vous allez être obligé de toujours subir toute votre vie. Eh bien, moi je dis non. Je vous dis non tout de suite parce que moi j'ai dit non et j'ai refusé de marcher dans cette combine-là. Et c'est là que dans un instant, on va venir un petit peu à d'autres solutions qui, selon moi, vous permettraient de littéralement transformer votre vie, de bien gagner votre vie sur tous les plans et malgré que vous n'avez pas de diplôme. Maintenant, j'aimerais en finir avec toute cette partie-là parce que ce que je vous ai donné là, effectivement, ça va être des solutions qui peuvent, à court et moyen terme, vraiment vous permettre de mieux gagner votre vie malgré que vous n'ayez pas de diplôme, mais ça va pas pour autant, je vous dis, ça va pas pour autant vous permettre d'être mieux à tous les points de vue dans votre vie, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là? Eh bien, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Justement, les solutions qu'il y a, eh bien, c'est ce que moi, j'ai mis en place. Ça va être d'être votre propre patron. Alors, oulala, j'en connais parmi vous, j'en suis sûr et certain, qui vont découvrir dans cette vidéo, parce qu'ils vont avoir cherché peut-être sur Internet comment bien gagner sa vie sans diplôme, ou quel terme comme ça, ils vont tomber sur ma vidéo, ils vont me dire, oulala, moi patron, tout ça, mais j'ai pas d'argent, je vais pas pouvoir, il faut de l'argent pour ça. Stop. Quand j'ai commencé à être mon propre patron, eh bien, j'étais encore dans le rouge. Et justement, ce qui m'a poussé à ça, c'est que j'ai découvert que grâce à Internet, eh bien, on pouvait bien gagner sa vie malgré qu'on soit sans diplôme, peu importe nos origines. Et donc, je me suis penché là-dessus et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs façons de faire. Quelles sont les façons et qui ne demandent pas forcément eh bien, d'avoir des grands fonds ou des fois, vous pouvez même démarrer de zéro. Ça va être par exemple le fait de créer du contenu. Vous pouvez créer du contenu sur Internet et vous allez fidéliser une audience et ensuite, vous allez pouvoir monétiser cette audience. Aujourd'hui, on a encore un petit peu de mal à croire qu'on peut vivre comme ça d'Internet parce qu'effectivement, ça, c'est pas depuis 100 ans, c'est assez récent dans le monde Internet. Donc, c'est que depuis peu que finalement des personnes vivent vraiment entièrement d'Internet. Pourtant, je vous le dis, c'est possible puisque moi, aujourd'hui, je suis dans ce cas-là où je vis d'Internet grâce à mes propres business en ligne. Donc, je vous dis, par exemple, vous pouvez faire la création de contenu. Tout le monde peut faire ça et il n'y a pas besoin de démarrer avec des sommes astronomiques. Vous pouvez même démarrer de zéro. Vous pouvez aussi démarrer le dropshipping. Dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est du e-commerce sans stock. Ça veut dire que vous commencez en fait à vendre des produits. Vous n'avez pas besoin de faire de stock. Vous n'avez pas besoin de louer de local. Donc, vous n'avez pas à avoir besoin de fonds d'investissement pour
un local, d'accord? Alors qu'avant, quand on était obligé d'avoir un local, que tout ça, Internet n'existait pas de cette façon-là, ne permettait pas du moins de faire ces solutions-là, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait beaucoup, beaucoup d'argent pour, par exemple, avoir un local, avoir plein de choses autour, parce que tout était en physique. Aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez vraiment commencer de zéro. Donc, moi, j'aurais cette possibilité-là, c'est de vous étendre un petit peu le sujet, mais je vois déjà que la vidéo tourne depuis pas mal de temps, et plutôt que de vous donner des petites brides comme ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation d'1h30, et ce que j'ai fait, eh bien, c'est que je l'ai rendue gratuite, et je vous l'offre vraiment totalement. Vous aurez 1h30 de formation totalement offerte, où je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire de zéro à vos premiers 10 000 euros sur Internet. Est-ce que ça ne vous dirait pas de générer vos premiers 10 000 euros sur Internet? Est-ce que vous ne croyez pas que ça pourrait changer un peu le cours de votre vie? Donc, si c'est le cas, eh bien, regardez en dessous de cette vidéo. Vous pourrez donc télécharger gratuitement 1h30 de formation où je vous montre tout de A à Z, en partant vraiment de zéro, les bases, tout ce que personne en réalité ne vous montre vraiment sur Internet, parce que c'est peut-être moins sexy que de vous montrer des bagnoles et des bijoux qui brillent et des billets qu'on étend comme ça partout dans les vidéos. Ok, mais moi ce que je vais vous donner dans cette formation offerte, c'est vraiment ce qu'il vous faut, les bases, et je vais vous emmener étape par étape vers l'étape suivante à chaque fois que vous allez devoir mettre en place pour atteindre vos premiers 10 000 euros sur Internet. Donc c'est vraiment fait pour tous ceux qui veulent, eh bien, opter pour cette solution-là qui est selon moi la meilleure, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je gère mes journées, je gère mon emploi du temps. Par exemple, j'ai un enfant et lorsque je l'ai avec moi, eh bien, je peux prendre aussi du temps pour lui. Contrairement où avant, eh bien, j'étais absent tout le temps parce que je travaillais le jour, je travaillais la nuit, je ne décidais pas de mes horaires, je ne décidais pas de mes jours de travail. Bref, je ne pouvais pas décider tout ça. Donc, il y a plein de choses, vous voyez, que vous pouvez améliorer. Ce n'est pas seulement que financièrement, ça va être aussi tout ce qu'il y a autour de votre vie. Et tout ce que je vous montre en plus dans la formation offerte, c'est comment générer ses premiers 10 000 euros en automatique. Ça veut dire qu'au lieu de prendre des solutions, comme je vous ai donné tout à l'heure, qui vont demander d'échanger à chaque fois votre temps contre de l'argent, eh bien là, vous allez découvrir des solutions qui vous permettent de faire, en fait, travailler l'argent pour vous. Et ce qui fait que vous, eh bien, à l'instant T, vous pouvez être ailleurs, vous pouvez être à la plage, vous pouvez être, je sais, la plage, ça fait un petit peu rêver, mais voilà, il faut bien un minimum de rêve quand même. Sinon, hein, voilà. Mais vous pouvez être en train de faire votre jogging, vous pouvez être en train de promener votre chien, de vous balader avec votre enfant. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, l'argent va continuer à rentrer alors que vous, vous faites totalement autre chose. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se tourner vers ça? Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et je sais pertinemment que dans le monde, nous sommes énormément en réalité à ne pas avoir de diplôme, à ne pas avoir suivi le cursus qu'on nous prédestinait, c'est-à-dire voilà, aller à l'école, avoir son diplôme et avoir un bon travail pour être bien payé, etc., etc. Tout le monde connaît la musique. Non, moi j'ai refusé ça, j'ai refusé de croire que eh bien, il y avait cette solution-là. Non, effectivement, aujourd'hui, moi j'ai pas de diplôme et pourtant, aujourd'hui, eh bien, ma vie est bien différente et encore, je suis peut-être encore bien loin de mes objectifs et de ce que je veux, mais en tout cas, elle s'est grandement, ma vie s'est grandement améliorée par rapport à ce qu'elle était il y a peu de temps. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on en a assez dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous parce qu'elle pourra, je pense sincèrement, eh bien, aider beaucoup de personnes qui sont totalement ancrées dans ce modèle-là du système que je vous ai énuméré tout à l'heure. Donc voilà, bref, faites ce que vous voulez. En tout cas, pensez à vous abonner à cette chaîne et activer la petite cloche parce que vous verrez, il y aura d'autres vidéos comme ça, comme celles-ci qui vont venir prochainement pour vous aider justement à gagner beaucoup plus d'argent dans votre vie et surtout à être mieux dans tous les aspects de votre vie. Je vous laisse ici pour cette vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.